réveille-toi. Tu vois, tu dois nettoyer la maison. Nettoie la maison. C'est bon là-bas. Ça, c'est Rodrigue. Faut d'abord là-bas voir ce que maman fait. Et pareil, tous les jours, maman Mimi avec son panier. Salut YouTube, soyez bienvenus chez Indie Black officiel. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, je vous amène encore cette nouvelle vidéo story time. L'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire de Rachel et maman Mimi. Rachel, c'était une jeune fille. Elle habitait à Kisangani avant de venir à Kinshasa, bien sûr. Elle habitait à Kisangani avec ses parents, sa maman, son père et ses frères et sœurs. Elles habitaient là-bas à Kisangani. Lorsque Rachel a fini ses études, sa tante, la sœur de son père, a demandé à ce que Rachel puisse venir à Kinshasa pour continuer l'université, pour faire sa vie à Kinshasa. Les parents de Rachel étaient d'accord, la maman était d'accord, les papas aussi étaient d'accord. En fin de compte, Rachel était venue à Kinshasa, elle habitait chez sa tante. Du coup, une femme venait, une maman, c'est maman Mimi, qui venait voir sa fille. La fille de maman Mimi habitait tout près de la tante de Rachel. Quand maman Mimi venait, elle voyait aussi Rachel. Elle aimait beaucoup Rachel. Elle disait, oh, Rachel aide beaucoup sa tante. Elle s'est renseignée au fait sur Rachel. Sa fille a dit, Rachel, c'est une fille bien. Elle est venue elle vient de Kisangani. C'est pas une fille de Kinshasa. C'est une fille très polie. Elle a fait ses études humanitaires. Elle a fini à Kisangani. Je pense qu'elle est venue ici à Kinshasa pour continuer l'université. C'est ce que la fille de maman Mimi avait raconté à sa mère. Alors, maman Mimi aimait beaucoup Rachel quand elle venait voir sa fille. Elle aimait beaucoup Rachel. Quand elle venait, elle essayait de parler avec Rachel. La tante de Rachel aussi ne faisait pas de ça un problème. La tante de Rachel était d'accord que maman Mimi puisse parler avec Rachel. Et Rachel continuait à vivre chez sa tante. Un jour comme ça, la maman Mimi est venue chez la tante de Rachel. J'aime beaucoup ta nièce. Elle a l'air calme, elle a l'air polie et tout. J'ai mon fils, j'aimerais que mon fils puisse faire connaissance de Rachel. La tante de Rachel n'était pas compliquée, c'était une femme aussi bien. Elle a dit, ok, pas de problème, ton fils peut faire connaissance de Rachel. Rachel, c'est une grande dame, elle a déjà 25 ans, elle peut bien trouver un homme, il n'y a pas de problème. Maman Mimi a invité Rachel chez elle, comme son fils aussi était déjà âgé, son fils, mais habitait toujours chez sa mère. Donc le fils de Maman Mimi habitait toujours chez sa mère. Alors quand Maman Mimi a invité Rachel, Rachel était allée dans la maison de Maman Mimi. Quand elle arrive là-bas, Rachel elle est jolie, elle était très jolie, une fille très jolie, élancée et tout. Quand le fils de Maman Mimi, on va l'appeler Rodrigue, parce qu'on ne veut pas citer tous les noms, sinon ça ne fera pas du bien, tu vois un peu. Le fils de Maman Mimi, qu'on appelle Rodrigue, quand il a vu Rachel, du coup, il était vraiment, vraiment tombé amoureux de Rachel. Il a dit, maman, cette fille, elle est jolie. Vraiment, elle a un bon comportement. Moi, j'aime cette fille. Rodrigue est tombé sur le coup de foudre. Il a commencé à bien parler avec Rachel. Ils se sont changés de numéro. Rachel commençait à aller. Rodrigue aussi commençait à venir chez Rachel. Comme ça, quoi. Il commençait à se fréquenter. Rodrigue et Rachel commençaient à se fréquenter. Un jour, après 6 mois de relation, Rodrigue demande la main de Rachel. Maman Mimi était toute contente. Parce que Maman Mimi aimait beaucoup Rachel. C'était aussi le choix de Maman Mimi. Donc le premier choix, c'était Maman Mimi. Alors quand Rodrigue a vu Rachel, Rodrigue du coup aussi était tombé dans le charme, quoi. Rodrigue a demandé la main de Rachel. La maman de Mimi était contente quand Rodrigue a demandé la main de Rachel. La tante de Rachel aussi était contente. Elle a appelé la famille à Kisangani pour leur informer que il y a un homme, il y a un monsieur qui a demandé la main de Rachel. Rachel aussi était contente et tout. On l'a demandé en mariage. Du coup, Rodrigue est allé déposer la dot. Quand Rodrigue est allé déposer la dot, maman Mimi a dit, moi je veux récupérer directement ma belle-fille. Je ne veux pas qu'elle prenne d'abord là-bas. La tante de Rachel a dit à maman Mimi, moi Mimi, il faut que Rachel, c'est une jeune fille. Tu vois, toutes les jeunes filles aiment bien porter la robe. Il faut patienter un peu qu'elle s'organise avec son mari.
jusqu'à ce qu'ils vont faire leur mariage, leur bénédiction et tout. Moi, je voudrais bien la libérer parce que vous avez déjà remis la dot, mais j'aimerais que Rachel puisse porter la robe, tu vois. Elle-même, elle me demande si elle est d'accord. D'ailleurs, elle-même, elle est d'accord, elle veut bien porter la robe. Moi, elle me dit, il n'y a pas de problème, on va patienter. Elle a accepté premièrement. Lorsqu'ils ont tout remis, ils ont remis la dot et tout, Rodrigue commençait à venir et puis il s'est plaigné. Il dit, Rachel, moi je veux te récupérer, tu vois, j'étais déjà épousée, là, le mariage religieux ça viendra, le mariage civil ça viendra, tout cela viendra après, je voudrais d'abord te récupérer comme ça. Tu vois, Rachel aussi était déjà dans le coup de foudre de son mari. Elle était déjà tombée amoureuse. Et maman Mimi insistait à ce que Rachel puisse venir chez elle. La tante était obligée de libérer Rachel. Elle a libéré Rachel sans le mariage religieux, sans la bénédiction nuptiale, bien sûr, sans le mariage civil, sans que Rachel et Rodrigue puissent aller devant l'état civil. Donc, Rodrigue, sa mère, moi, Mimi, a récupéré Rachel comme ça, juste après la dot. Rachel est partie à la maison, tout allait très bien. Maman Mimi l'a cajolée, maman Mimi l'a bercée. C'était comme sa fille. Donc Rachel était comme sa fille. Rachel était bien. Quand tu regardes le visage de Rachel, tu sens que cette femme, elle est heureuse. Mais Rachel et Rodrigue habitaient toujours dans la maison de maman Mimi. Maman Mimi, je signale bien qu'elle avait une très grande maison, une maison de 4 chambres. Et puis, elle avait 3 autres garçons et Rodrigue, donc elle avait 4 garçons. Elle n'avait plus de fille. Sa fille était déjà mariée. Donc, dans la maison de 4 chambres, il y avait 4 garçons. Et maman Mimi. Lorsque Rachel est venue dans son mariage, ils ont laissé une chambre pour Rachel et son mari. Mais au début, comme maman Mimi avait la bonne, elle avait tout, la bonne qui aidait avec les travaux ménagères et tout, tout allait très bien. Rachel était là. Elle ne s'inquiétait pas, donc elle se disait, je suis chez ma belle-mère, on a une bonne qui nous aide avec les travaux et tout. Bien sûr, moi aussi, des fois, je fais des histoires, je fais des travaux et tout, tout allait très bien. Du coup, comme ça, 6 mois après le mariage, maman Mimi commence à aller toquer dans la porte de Rachel et Rodrigue, dans leur chambre. Elle va toquer à 6h. Elle a commencé d'abord à 6h. Elle toque. Rachel, tu dors jusqu'à 7h? 6h. Rachel, tu dors jusqu'à 7h? Viens nettoyer la maison, ma fille. Viens nettoyer. Elle réveille Rachel à 6h en la berçant. Rachel, viens nettoyer la maison, ma fille. Tu vois, la maison, il faut nettoyer la maison les matins, comme ça, quand le visiteur vient pendant la journée, la maison sera propre. Pendant qu'il y avait une bonne, il y avait quelqu'un qui aidait avec les travaux, bien sûr. Rachel, pendant les premières semaines, c'était un peu difficile pour elle, mais elle s'est habituée de se réveiller à 6 heures, nettoyer la maison. Du coup, c'était plus nettoyer la maison, aller au marché. Quand maman Mimi l'a réveillée, ma fille, réveille-toi, tu dois aller au marché. Hein, tu vois, il faut préparer les matins. Quand les visiteurs viendront, tout est déjà préparé. Elle va réveiller Rachel à 6 heures. Rachel va aller au marché. Quand elle revient, elle commence à préparer. S'il faut piler les pondous, elle va piler les feuilles de manioc. Elle va piler les feuilles de manioc. Elle va nettoyer la maison. Elle va préparer. Du coup, vers 10 heures déjà ou 11 heures, tout est déjà prêt. Tout est déjà fini. Alors Rachel peut aller encore s'endormir, prendre du repos. Du coup, maman Mimi a changé, c'est depuis 6 heures, c'est maintenant 5 heures. 5 heures, c'est vraiment très tôt. Elle va toquer la porte. Rachel, réveille-toi. Tu vois, tu dois nettoyer la maison. Nettoie la maison à 5 heures comme ça, la maison sera frais. Quand tu vois aller au marché, tu viens, tu prépares, tu vois. Rachel a dit 5 heures, maman. Il est 5 heures, on a encore 5 heures. Les maris ne se dérangeaient pas. Donc, Rodrigue ne réclamait rien en fait. Pour dire à sa mère, moi, tu vois, elle dort encore. Non, Rodrigue ne disait rien à sa mère. Lui, il trouvait ça normal. Rachel, première semaine, 1 mois, 2 mois comme ça, elle a réveillé toujours à 5 heures. Elle s'est plaint auprès de son mari. Elle a dit, comment me réveiller à 5 heures? Je trouve ça étrange. Moi, je ne travaille pas. On a une bonne. Maman aussi ne travaille pas. La maison est toujours propre. Mais comment on me réveille à 5 heures?
C'est arrivé à 5 heures pour torchonner la maison, pour balayer la maison à 5 heures. Je trouve ça un peu étrange. J'essaie de parler avec maman. Quand elle dit ok, ça va aller, je vais parler avec maman. Et ça continue comme ça, ça continue comme ça. 6 mois après, et Rachel est tombée enceinte. Rachel est tombée enceinte, tu vois, le premier mois de la grossesse, les vomissements, tout ça. Rachel était avec les humeurs. La maman, maman Mimi continue toujours à réveiller Rachel. Du coup, comme ça, un jour, Rachel, maman Mimi réveille Rachel à 5 heures pendant le début de sa grossesse. Rachel dit, maman, je suis enceinte. Je suis fatiguée, j'ai vomi toute la nuit. Toi, tu es la première fois. Maman Mimi commence à tourner sur Rachel. Toi, tu es la première femme à tomber enceinte. Et tu es la première femme pour nettoyer la maison ici. Il faut qu'à quel effort, il faut que tu sois pas enceinte. Va marcher. Va marcher. Ici, chez moi, c'est l'éducation. Si ta tante ou tes parents ne t'ont pas bien éduqué, ici, chez moi, tu auras l'éducation. Rachel a trouvé ça étrange. Comment mon mari va tenir sur moi comme ça? Comment elle se fâche? Parce que je lui ai dit, maman, je suis enceinte, je suis fatiguée. Elle se fâche comme ça. Et son mari, Rodrigue, était là. Il ne prenait pas la défense de sa femme. Il ne disait rien à sa mère. Rachel est allée au marché. Ça continue comme ça. Du coup, la grossesse était maintenant, elle était maintenant vers les 8 mois. Donc, à terme, presque à terme. Maman Mimi, un jour, elle est arrivée, Rachel. Rachel n'arrivait même pas à se réveiller. À 5 heures, elle n'arrivait même plus à se réveiller. Elle s'est réveillée, elle dit, maman, ok, donne-moi l'argent, je pars. Au marché. La maman lui donne l'argent. Rachel n'est pas partie au marché. Elle est revenue dormir. Rodrigue aussi a vu que Rachel n'est pas partie au marché. Il n'a rien dit aussi à sa mère. Il n'a rien dit aussi à Rachel. Donc Rachel est allée s'endormir. Elle est restée à la chambre de 5 heures jusqu'à 14 heures. Donc elle était fatiguée. Elle a vraiment dormi. Mon mimi s'est inquiétée. Elle a cherché Rachel partout. Elle a envoyé la bonne. Va chercher Rachel au marché. La bonne est allée. La bonne est rentrée. Bon, moi, je n'ai pas vu Rachel. Rachel, elle est où? Elle est où? Le mari de Rodrigue était sorti quand il est revenu. Il a trouvé toujours Rachel. Rachel avait des maux de bas ventre. Elle était fatiguée. Rodrigue réveille Rachel à 14 heures. Au lieu de demander même comment tu vas, comment la santé, tu dors jusqu'à 7 heures. Rodrigue dit, mais Rachel, c'est quoi ça? Maman te cherche. Depuis que maman te cherche là, tu n'entends pas comment elle t'appelle. Rachel a dit, j'ai trop mal au ventre. Je n'arrive même pas à me réveiller, il faut qu'on aille à l'hôpital. Va demander là-bas, ça c'est Rodrigue. Va demander là-bas voir ce que maman veut. Qu'est-ce que tu cherches? Va demander voir ce que maman veut. Rachel, quand elle sort de la chambre, maman lui dit, hein Rachel, toi tu dormais? Pendant que moi je t'ai cherché là, toi tu dormais. Elle a pris Rachel sur le cou. Elle a brutalisé Rachel. Elle a bousculé Rachel. Elle a balancé Rachel de l'autre côté. Rachel dit, maman, je suis enceinte. Quelle sainte! Quelle sainte! Tu es enceinte, tu es enceinte, tu es enceinte. Que je fasse quoi? Tu ne vois pas que moi aussi j'ai des enfants? C'est-à-dire que j'étais aussi enceinte. J'étais réveillée à 5 heures. Elle a commencé à tonner sur Rachel. Rachel commença à pleurer. Elle commença à pleurer. Va marcher! Elle n'arrivait même pas à marcher. Et puis, change les programmes. Hein? Moi, je veux aujourd'hui que tu m'achètes les pondous, donc le fait des manioc. Et puis, tu vas venir piler ça ici. Rachel est partie au marché. Elle a acheté les feuilles des manioc. Si j'avais à 16 heures, elle marchait doucement. Les voisins ont regardé ce que la maman faisait à Rachel. On se disait, cette maman, est-ce qu'elle a des enfants? Elle a des enfants, pourquoi elle peut faire ça cette fille? Rachel est partie au marché, elle est revenue, elle a plié les pondous. Rachel était fatiguée la nuit, elle n'a pas pu supporter le fait de plier les pondous, le fait de marcher, comme elle avait mal au ventre et tout. La nuit, elle a commencé à avoir des contractions et tout. Elle avait réveillé Rodrigue, Rodrigue a réveillé sa mère. Au moment où Rachel a mal, ça me dit, ah réveille-la, peut-être elle va accoucher. On réveille, on prend la maman, maman Mimi et Rodrigue, ils prennent Rachel, ils amènent Rachel à l'hôpital. Rachel arrive à l'hôpital, elle a accouché un bébé prématuré parce qu'elle était à terme bien sûr, mais c'était vers le 8 mois, on devait garder l'enfant dans la couveuse, on devait encore garder le bébé dans la couveuse. On a gardé le bébé pendant un mois.
Rachel aussi était restée à l'hôpital parce qu'elle aussi n'allait pas bien. On a gardé et les bébés et la maman, donc Rachel et son bébé. Pendant ce temps, maman Mimi préparait tous les jours, maman Mimi avec son panier. Maman Mimi avec son panier, elle part déposer la nourriture à l'hôpital pour Rachel. Tous les jours, les matins, maman Mimi va aller déposer du thé à l'hôpital. À midi, elle va aller déposer la nourriture. Mais dans la tombe de Rachel, quand elle part à l'hôpital, elle regarde. Rachel a accouché par prématuré, mais sa belle-mère, elle est toujours active. Elle amène du thé les matins, la belle-mère amène la nourriture. Donc, maintenant, la tante de Rachel, c'est une belle maman, elle est bien et tout. Rachel a dit à sa tante, quand la belle-mère est partie, Rachel a dit à sa tante, ne suis pas ce qu'elle fait, cette maman m'a torturée, je ne suis pas heureuse. Rachel avait maigri, elle a tout raconté à sa tante, mais sa tante ne croyait pas. Sa tante, tout ce que Rachel disait à sa tante, sa tante n'y croyait pas. La famille de Rachel, personne n'y croyait. Parce qu'on voyait la belle-mère le matin avec du thé, avec une permanence du thé. Elle vient avec les habits de Rachel, elle arrange Rachel et tout. Donc on voyait la belle-mère trop active avec la nourriture. Donc sa tante, elle disait, Rachel, c'est ce que tu me dis là, c'est vrai. Rachel dit, ma tante, je suis pas heureuse. C'est mieux qu'on change de maison. Quand je veux rentrer, je vais demander à mon mari de changer, de trouver une maison. Rodrigue est parti aussi à l'hôpital. Rachel a dit à Rodrigue, pendant que je suis à l'hôpital, cherche une maison. Parce que tu travailles, Rodrigue travaillait. Il avait aussi son business à côté. Donc, il était bien stable financièrement. Rachel a dit à Rodrigue, Rodrigue, trouve une maison, je vais vraiment habiter chez moi. Quand je rentre avec mon bébé, qu'est-ce qu'il y a? On va trouver une autre maison, il n'y a pas de problème. Quand tu vas rentrer, on va trouver une autre maison. Après un mois, Rachel est rentrée. Sa tante, vu que Rachel avait raconté qu'elle n'était pas à l'aise et tout ce que sa belle-mère faisait, sa tante commençait à venir presque deux fois par semaine. Quand elle vient, elle trouvait toujours Rachel assise, la belle-mère lui donnait la nourriture. C'est la belle-mère qui s'occupait de l'enfant pendant le premier mois. Le deuxième mois, sa tante a dit, Rachel est dans de bonnes mains, sa belle-mère s'occupe bien d'elle, alors je peux toutefois commencer à aller par moi une fois, je la laisse vivre son mariage. Après que la tante ne vient plus régulièrement, la belle-mère a constaté que la tante de Rachel ne venait plus régulièrement. Elle a commencé les mêmes rythmes qu'avant. Vous voyez, une femme, quand elle vient d'accoucher, les trois premiers mois, tu dois vraiment te reposer. D'ailleurs, d'autres personnes font six mois comme ça, tu te reposes. Mais les trois premiers mois, c'est vraiment essentiel. La belle-mère a repris le rythme de réveiller Rachel à 6 heures. 5 heures, 6 heures, elle réveille déjà Rachel. Tu vois, le nouveau-né, avec les sommeils, les perturbations des sommeils, des fois, Rachel ne dort pas la nuit. Rodrigue aussi ne l'aide pas à s'occuper du bébé pendant la nuit. C'est elle-même, elle allait les bébés. Quand le bébé se réveille, c'est Rachel qui se réveille. Son mari ne l'aidait pas au fait de prendre le bébé, de donner le biberon au bébé. Rodrigue n'aidait pas Rachel. Elle faisait ça toute seule la nuit. Elle s'occupe du bébé. Tu vois, vers 4 heures, quand le bébé va dormir, Rachel aussi essaie de s'endormir. C'est à 6 heures qu'Isabelle, mère, la réveille pour aller au marché. Elle faisait ça. Elle faisait ses piler les feuilles de manioc. La belle-mère commença à prendre les habits de ses autres fils, donner à Rachel pour laver. Vous allez voir les fils comme ça, les gens qui ont habité en Afrique, comment on étale les habits dans les fils et tout. La belle-mère va donner les habits des autres frères du Rodrigue à Rachel pour qu'elle lave. Une femme qui vient d'accoucher, elle finit de torchonner la maison, elle pile les bonous, elle pile les fait les manions, elle prépare, elle commence à laver les habits de grands garçons, les frères de son mari. Elle lave. Des fois, elle lave comme ça, trois fils, quatre fils. Rachel a maigri, elle est tombée malade. Rachel est tombée malade. Un jour comme ça, sa tante vient, elle trouve sa nièce trop maigre, elle était vraiment mince, elle était devenue encore malade et tout. La tante demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Comment tu es tombée malade comme ça? Rachel dit à sa tante, je te disais qu'avec ma belle-mère, ça ne va pas. Je suis là, je suis malade, mais chaque 5 heures, elle me réveille. La tante dit, est-ce que c'est vrai, Rachel? Maintenant, quand la tante vient, la belle-mère prend le bébé, elle part avec le bébé. Oh!
La tante n'est arrivée pas à comprendre. Rachel a dit, si tu veux, viens un jour à 5h, tu vas me trouver dehors. La tante un jour est venue. Elle est venue à 5h comme Rachel avait dit. Elle n'est pas entrée dans la parcelle. La maman de Rodrigue, maman Mimi, rêvait encore Rachel. Comme d'habitude, malgré que Rachel était malade et tout, elle a rêvé. Rachel, elle sort. Sa tante la voit dehors. Rachel, tu vas où? À 5h comme ça. Quand je te dis, entrons, je ne peux pas te laisser comme ça. Elle entre comme ça. Elle appelle la belle. Mais maman, comment tu l'as rêvé comme ça à 5h? Elle est un bébé. Hein? Et puis elle est malade. La belle-mère dit, oh non, c'est aujourd'hui parce qu'on va recevoir des visiteurs. La tante dit, non maman, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu as des bonnes ici, tu peux les envoyer. Ah maman, non, c'est seulement pour aujourd'hui parce qu'on va recevoir les visiteurs. La tante de Rachel a fait cet exercice 3 jours. La même chose s'est répétée. La maman de Rodrigue réutilisait la même chose. Et un jour comme ça, pendant la journée, la tante de Rachel vient. Elle trouve sa nièce en train de laver les habits de frère de Rodrigue pendant qu'elle préparait et les bébés pleuraient. La tante de Rachel a dit non, 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 ça c'est trop. Elle a dit, maman, tu as pris ma nièce, regardez comment tu la traites. C'est pourquoi tu n'aimes pas qu'elle prenne l'air maison avec son mari. Je vais prendre ma nièce aujourd'hui. Je pars avec elle. Oh, si tu pars avec elle, laisse-nous les bébés là. On m'a dit non. La tante de Rachel a dit, va à la police, va porter plainte. C'est un bébé de moins de 6 mois. Va porter plainte comme ça, on va te donner le bébé. Rodrigue était là, incapable de dire quelque chose à sa mère. La tante était là, Rodrigue, tu ne dis rien à ta mère. Rodrigue, maman, tu vois la fille d'autrui, je te disais, tu vois, elle est fatiguée, il faut la laisser se reposer un peu. Rodrigue était incapable de faire quelque chose. La tante de Rachel a pris Rachel, ils sont allés, en croyant que Rodrigue va suivre son enfant dans son bébé ou sa femme. Rodrigue n'a pas suivi ni Rachel, ni son bébé. Donc Rodrigue aussi est resté, la maman de ma Mimi dit à Rodrigue, reste là, ils vont revenir, reste là, ils vont revenir. La tante a dit une semaine, Rodrigue n'est pas venu. 2 semaines, Rodrigue n'est pas venu. 1 mois, 2 mois, personne n'est venu réclamer ni les bébés, ni la femme. La tante a appelé la famille de Rachel à Kisangani pour leur dire ce qui s'est passé. Après un temps et tout, la maman Mimi commençait à faire des choses étranges à la maison. Commençait à faire des choses pas possibles. Rodrigue a dit, maman, je vais prendre ma maison. La maman n'était pas d'accord pour que Rodrigue puisse prendre sa maison. La maman Mimi a donné la condition à Rodrigue, avant de prendre ta maison, il faut que Rachel puisse venir d'abord ici. Elle rentre ici, elle habite encore avec nous 1 mois, après tu vas prendre ta maison. Rodrigue est allé demander, après 6 mois, Rodrigue est allé demander pardon à la tante de Rachel et à Rachel pour qu'ils rentrent à la maison, qu'ils habitent 1 mois après et ils vont prendre leur maison. C'est comme ça que Rodrigue allait demander pardon. Et la tante de Rachel demande, est-ce que Rachel doit pardonner à son mari qu'ils aient habité encore chez maman Mimi pendant 1 mois pour trouver leur maison? Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que Rachel doit pardonner son mari? La condition est que maman Mimi a donné la condition à son fils, avant de trouver ta maison, il faut que Rachel puisse rentrer ici pendant 1 mois, vivre ici pendant 1 mois. 1 mois après, vous allez prendre votre maison. Et c'est comme ça que Rodrigue est allé demander pardon à Rachel. Avec cette condition. Rachel, je te demande pardon, on rentre d'abord chez ma mère. Après 1 mois d'habiter, de rester chez ma mère, on va prendre notre maison. La tante de Rachel s'y demande, est-ce que Rachel doit obéir à son mari? Est-ce que Rachel doit pardonner à Rodrigue, rentrer d'abord chez maman Mimi pour prendre leur maison après? Que pensez-vous de cette histoire? Qu'est-ce que Rachel doit faire? Si tu étais Rachel, tu devais pardonner à Rodrigue, ton mari, rentrer chez ta belle-mère avec des conditions que tu ne sais pas si elle va changer ou pas. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, ce que la tante de Rachel doit conseiller à sa nièce. Qu'est-ce que Rachel doit faire? Rachel doit-elle pardonner à Rodrigue? Rachel doit-elle rentrer chez sa belle-mère? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Alors c'est tout pour cette vidéo. Partagez, likez, commentez, dites-moi en commentaire. Alors ciao, à la prochaine vidéo.